Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommet, retour sur l'allocution du président de la République lors de la clôture des journées de l'entrepreneuriat. Abdelmadjid Tebboune encourage les jeunes à profiter des nouvelles réformes pour lancer et faire prospérer leurs entreprises. Vous écouterez des extraits dans ce journal. Le monde assiste encore une fois impuissant à un véritable drame à Gaza. L'armée d'occupation a évacué de force les malades et réfugiés de l'hôpital Shifa. Le sort de 500 blessés intransportables reste incertain selon le directeur de cet hôpital. Les bombardements s'intensifient sur la bande et ont visé pour la première fois la région de Nebatiyé au sud du Liban. On fera évidemment un crochet par le Salon international de la date qui referme ses portes ce samedi. Et puis en sport, l'équipe nationale est à Maputo pour affronter demain le Mozambique. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Lors de la clôture des journées de l'entrepreneuriat, le président de la République a prononcé une allocution devant les participants dans laquelle il a rappelé l'attachement de l'État à l'épanouissement des entreprises nationales, qu'elles soient publiques ou privées. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'État interviendra de moins en moins dans la sphère économique, si ce n'est pour maintenir le bon fonctionnement du service public. هي أقلية بالنسبة للاقتصاد الوطني وأغلبها مؤسسات خدمات غير مربحة لأن هذا واجب دولة ولكن حتى يتحرر القطاع الخاص لازم يتحرر من أموال الدولة كذلك مش الاقتصاد يولي تابع 85% قطاع الخاص والتمويل 85% عمومي. L'année 2024 sera, elle aussi, économique, portée par les réformes engagées par l'État. Dans ce sens, parmi les nouvelles mesures incitatives, la suppression de la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle. Le président de la République. إجراءات والترتيبات التي مست العديد من الجوانب المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الوطني في كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات الثلاثة الماضية تم وبصفة نهائية مراجعة أو إلغاء بعض الضرائب كما التي أبي هذه الغناها هذا طالب أكثر من 20 سنة إذن ميزانية 2024 ما تبقاش فيها لطاكس هذه سو لاكتيفيتي بروفيسيونال اللي ما عندهاش مغزى اقتصادي. S'adressant aux jeunes entrepreneurs, justement, le président a fait part de sa fierté concernant le chemin parcouru. Il a appelé le Premier ministre et le président du CREA, le Conseil du Renouveau Algérien, à les encadrer pour assurer la pérennité des jeunes start-up, le chef de l'État. يطمئن الإنسان على مستقبل الوطن إن شاء الله ولذا أطلب من سيادتكم رجال الأعمال ومن السيد الوزير الأول والسيد رئيس الكرية أن تأخذوهم تحت حمايتكم الشباب نتاعنا صراحة يعني ما هيش ديماغوجية ولكن الواقع راكم تعرفوه من ناحية هذا الإبداع تاع الستارت اب بصفة عامة ولا الميكرو انتربريز كنا نشوفوا فيها من الجانب الاجتماعي خلقنا دي ميكرو انتربريز قال اعطيه معليش يمشي يشري حاجه يتقوت بها ولا ما كانش فيه رغبه لتطوير الاقتصاد بالشباب نتاعنا رغم انهم عندهم امكانيات ابداع خلاقه والدليل ما شفتوا اين كنا واين اصبحنا. Voici donc ce qu'il y avait à retenir de l'allocution du président de la République prononcée lors de la clôture des journées de l'entrepreneuriat. À Tebessa, les jeunes entrepreneurs justement avaient rendez-vous aujourd'hui à la Maison de la Culture Mohamed Chebouki pour présenter leur projet. Notre correspondant Bachel Delbassi. Cette journée d'exposition a offert une plateforme dynamique pour mettre en avant les projets créatifs et les idées novatrices de la jeunesse locale. Et ce, en présence des autorités civiles et militaires, à leur tête le wali de Tebessa, M. Khalil Saïd. À ce sujet, nous écoutons quelques innovatrices. Notre projet consiste à produire des semences ou bien des graines protégées biologiquement à 100% algériennes. Donc notre projet vise à produire des sélections génétiques
pour avoir une graine stable, 100% algérienne, et pour éviter les protections chimiques qui va être nocives pour l'environnement. Compte Wali de Tebessa Khalil Saïd, l'État a encouragé l'industrie et la para-industrie et les projets scientifiques. L'État a encouragé la para-industrielle et l'industrie innovatrice et l'industrie scientifique par les start-up, par les petites et moyennes industries. L'université Cheikh Shahid Larbi Tbessi de Tbessa, l'année passée, a eu l'honneur d'avoir 22 labels de ses étudiants. Ces labels-là, notamment dans l'agriculture, dans la sécurité, dans la semence, dans plusieurs domaines. De Tbessa, Béchid Rbessi pour Alger Chaîne 3. Ceci donc pour l'actualité nationale, on y reviendra un peu plus tard. L'école d'Al-Fakhoura, qui abrite plusieurs centaines de réfugiés à Gaza, a été violemment bombardée par l'armée d'occupation. Les corps s'entassent selon des images diffusées par les médias locaux. Aucun bilan n'a été communiqué pour l'instant, mais celui-ci promet d'être dramatique. Un véritable drame également est en cours à l'hôpital Shifa de Gaza. Des centaines de personnes ont été contraintes aujourd'hui d'évacuer le plus grand hôpital de la bande où s'entassaient plus de 2000 malades, médecins et réfugiés, les médecins qui s'inquiètent sérieusement du sort de 500 malades, dont des prématurés intransportables. Kalima Hasnaoui. Pour l'heure, l'hôpital Shifa est toujours en cours d'évacuation, une évacuation forcée par l'entité sioniste. Il reste encore à l'intérieur des services quelques 330 malades et 200 blessés. Le directeur du complexe hospitalier Shifa affirme que certains malades ne peuvent même pas se déplacer compte tenu de leur état de santé sur 100 mètres. Alors imaginez le calvaire de les faire sortir et marcher sur une distance de 15 km. Parmi les malades à déplacer, 6 malades placés sous dialyse et 22 en soins intensifs. L'entité sioniste interdit le passage aux ambulances pour les emmener au sud de la bande de Gaza parce que son intention est de les tuer, affirme de son côté le responsable de la communication de l'hôpital. Et le destin des bébés est toujours inconnu, alors que tous les patients des soins intensifs de l'hôpital sont morts suite au blocus de l'hôpital Al-Shifa par l'entité sioniste. L'hôpital Andalousi, lui, est transformé en un véritable cimetière à ciel ouvert. 63 dépouilles ont été acheminées ce matin vers ce site dans lequel, je vous le rappelle, près de 180 dépouilles avaient été enterrées jeudi dernier. Les bombardements s'intensifient sur la bande, notamment sur le camp de réfugiés de Jabaliya al-Quds occupé dans le nord de Gaza. Un massacre a été commis également à la mosquée Lahia Sunnet dans le quartier As-Sabra. Un point de situation avec Wissam Abou Zaid, journaliste palestinien et correspondant de la télévision nationale, joint difficilement d'ailleurs par Karima Hasnaoui. Nous assistons à une série de crimes de guerre orchestrés intentionnellement contre les Palestiniens. Pour être joignables, nous nous sommes déplacés vers les frontières égyptiennes. Nous vous confirmons que les bombardements dans la bande de Gaza se poursuivent à Jabalia et depuis hier soir, les missionnistes bombardent les mosquées et les hôpitaux. L'armée d'occupation qui maintient également la pression sur la Cisjordanie où 34 personnes, des civils, ont été arrêtées dans diverses localités selon l'agence Wafa. Un raid de l'armée sioniste a également visé une usine d'aluminium à Nabatieh au sud du Liban, provoquant un incendie. Deux civils ont été blessés, indique le maire de cette localité. Il s'agit de la première frappe contre cette région depuis 2006. L'autre guerre se déroule sur les médias mainstream et les réseaux sociaux. Les nouveaux algorithmes ajustés pour la circonstance ne tolèrent aucun poste vidéo ou story de soutien à la cause palestinienne. Sami Alloun. Une occupation sioniste qui n'hésite pas à financer au prix fort des campagnes de désinformation, de la propagande qui cible les communautés les plus actives sur les réseaux sociaux pour essayer à tout prix de semer la zizanie, influencer l'opinion publique internationale en faisant taire la vérité sur les massacres des civils gazaouis perpétrés depuis plusieurs semaines. Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique. Il y a tout un système de censure qui a été introduit par Facebook, etc. De la censure qui censure les images qui ne conviennent pas. Moi-même, mon compte Messenger a été
été bloqué la semaine dernière, probablement parce que je diffuse de l'information qui n'est pas dans leur narratif. Il faut que les réseaux sociaux restent sociaux et non pas des réseaux qui sont gérés par des gouvernements. Une forme de censure qui s'adapte aux nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux, parfois allant même jusqu'à publier des vidéos, des photos truquées ou falsifiées, pour pousser davantage la narrative dictée par l'entité sioniste. Ahmed Boumendil, Community Manager. Des auteurs, activistes, journalistes, cinéastes et utilisateurs ordinaires du monde entier ont déclaré que les publications contenant des hashtags tels que Free Palestine et I Stand With Palestine, d'autres ont déclaré que leur story Instagram était cachée, ce qu'on appelle le shadow ban, c'était caché pour avoir partagé des informations sur des manifestations de soutien à la Palestine. Une propagande qui va jusqu'à censurer tout contenu en rapport avec la cause ou la résistance palestinienne, bloquer des hashtags, supprimer des pages d'informations spécialisées dans le dossier palestinien, les remplacer avec des mensonges, des illusions pour à tout prix détourner l'attention sur le génocide perpétré contre les civils gazaouis. Ce que ne diront jamais ces médias par contre, c'est que cette guerre a eu des impacts néfastes sur l'économie de l'entité sioniste, a exacerbé au passage les divisions au sein de la population israélienne. Netanyahou étant de plus en plus contesté. Décryptage de Shadi Sharafa, chercheur et spécialiste en questions israéliennes. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. L'intention de Netanyahou de prolonger sa guerre d'extermination ne peut cacher les pertes importantes et très coûteuses pour les Israéliens. L'absence de victoire militaire sur le terrain approfondit les divergences déjà existantes au sein de cette société sioniste extrémiste. Cette même société qui appelle à détruire le mouvement de résistance Hamas y met aujourd'hui un second avis. Vu l'impact négatif visible sur son économie, les voyants sont au rouge. Il y a une dislocation de la société sioniste de l'intérieur. Des voix s'élèvent pour arrêter la guerre et la saigner au niveau interne. Ajoutant à tout cela, le front du nord des territoires palestiniens occupés avec le Hezbollah qui inquiète l'occupant sioniste. Une importante manifestation de soutien aux Gazaouis se déroule en ce moment à Washington. Les manifestants ont pris d'assaut la gare routière. Ces derniers exigent un cessez-le-feu immédiat. Il est 12h bientôt 45 minutes sur Alger Chaîne 3. Dans le reste de l'actualité nationale, c'est le dernier jour du Salon international de la date. Un fruit qui s'exporte bien sur le marché international. Et marché cependant qui a quelques exigences. Les producteurs s'adaptent en proposant un produit de qualité et souvent certifié bio. C'est le reportage de cette édition. Il est réalisé par Smaël Mimouni. Les dates certifiées bio permettent aux producteurs d'être compétitifs sur le marché à l'international. Un marché qui exige beaucoup de critères, notamment que les produits soient issus d'une agriculture biologique. Brahim Sidiqi, directeur de certification au laboratoire BioCert. Le marché international exige certaines certifications comme la certification bio. Chaque marché a ses propres exigences. L'exportation actuellement, elle est au départ. Il faut passer par la qualité d'abord. On voit par notre participation à la Foire internationale des dates une ouverture vers la certification, vers la présentation d'un produit de qualité à l'international, ce qui favorise le label Made in Algeria. La certification bio est à la fois une garantie pour les clients et une assurance pour l'exportateur. C'est une garantie entre le client et le consommateur. La certification bio et la certification GMP, c'est les bonnes pratiques de fabrication. Les autres certifications privées comme l'IFS, le BRC, l'ISO, si on est fort en marketing, on peut accéder à certains marchés. Les labels de certification, c'est un atout pour ce produit. Si je présente bien mon produit avec des labels reconnus, j'ai 80% de ventes. Le label produit bio est devenu une exigence incontournable du marché des dattes. Même un emballage fait à base de produits biodégradables est privilégié chez le client. Le ministre de l'Énergie et des Mines est à Tizi Ouzou aujourd'hui, une visite au cours de laquelle il doit lancer ou inaugurer de nombreux projets de raccordement au gaz et à l'électricité, notamment dans les zones isolées. Mohamed Arkab inspectera également certaines infrastructures liées à son secteur, comme celles produisant des produits pétroliers. Les chefs des partis politiques sont également sur le terrain ce samedi. Le secrétaire général du FLN anime cet après-midi une conférence de presse au siège de son parti. Le TAJ organise
une conférence scientifique sur le thème « Les changements climatiques, quel impact sur la vie sociale et économique en Algérie ?» Le MSP donne une conférence économique liée aux obstacles, défis et alternatives de l'économie algérienne. Le secrétaire général du RND tient lui un meeting populaire à Msila. Attention, le trafic routier risque d'être quelque peu perturbé au niveau de plusieurs points de l'autoroute Est-Ouest. L'Algérienne des autoroutes a entamé des opérations de maintenance d'un certain nombre d'ouvrages d'art. Les détails avec Nasreddin Barded, chargé de la communication à l'ADA, l'Algérienne des autoroutes. Il est contacté par Sami Aloun. L'opération a été lancée aujourd'hui et touchera un certain nombre d'ouvrages d'art prioritaires, notamment à Indefla, Bouira et Boumedes. Aujourd'hui, l'opération a été lancée au niveau de l'Akhdaria, l'ouvrage d'art Sens Vert à Alger. Bien sûr, touchera aussi les joints de chaussée au niveau de Djebahia et Antork et Al-Snam. Et se poursuivra jusqu'à la finalisation des opérations de réhabilitation de ces équipements sensibles pour la sécurité routière des usagers. L'Algérienne des autoroutes, bien sûr, recommande aux usagers de réduire leur vitesse à l'approche de la zone des travaux. L'Algérienne des autoroutes aussi présente ses sincères excuses pour les désagréments causés par ces travaux. Si vous habitez les zones montagneuses de l'Est de Bouira, vous allez désormais mieux recevoir nos programmes et ceux de la radio locale sur les 91.3. Un nouvel émetteur radio vient en effet d'être installé dans le village de Ackerboost. Notre correspondant Alice Chachoua. Après une moule d'alliance des associations de quartier et autres populations des régions montagneuses de la commune d'Arbelou et ses environs, à l'extrême est de la wilaya de Bouira, demandant aux responsables locaux, notamment à ceux de la radio locale, d'installer un nouvel émetteur afin de pouvoir capter clairement les ondes de la radio algérienne, notamment de la radio régionale de Bouira. Enfin, désormais, ce souci ne se posera plus. En effet, durant la journée d'hier, il a été installé un nouvel émetteur 100 watts au village d'Ackerboost. Le directeur régional centre de la télévision algérienne, Lakhdari Fethi, après avoir donné le coup d'envoi du nouveau 91.3 FM. Sur orientation de la direction générale de la télédiffusion, suite aux doléances de la société civile et des responsables de la wilaya de Bouira, il envoie sur la fréquence 91.3. Ça va permettre une meilleure diffusion pour la radio de Bouira. Les citoyens, bien entendu, très satisfaits de l'initiative. La radio locale de Bouira sera désormais captée sur 91.3 FM. Bouira, Aris Chachoua, Algéchen 3. Retour au sport, Erdouane Bendali, bonjour. Bonjour Siam. Alors, d'abord l'équipe nationale qui est depuis hier à Maputo et qui prépare le match demain face au Mozambique. Ils sont arrivés hier par vol spécial à Maputo et juste après un petit repos, eh bien, ils se sont remis au travail avec de la récupération. Et après leur première séance d'entraînement qui s'est déroulée sur un terrain en gazon synthétique, hier après-midi, les Verts ont quitté ensuite le stade dans une très belle ambiance en présence de jeunes footballeurs mozambicains venus saluer le capitaine Riyad Mahrez qui est la star en quelque sorte de cette équipe des Verts. Le programme de ce samedi a débuté ce matin à 11h avec la réunion technique au niveau du siège de la Fédération mozambicaine de football. Et il y a quelques minutes à peine a débuté la conférence de presse d'avant-match avec Jamel Belmadi face aux journalistes. Le dernier entraînement avant le match aura lieu cet après-midi à 15h au stade national de Maputo. Et demain, la rencontre Mozambique-Algérie aura lieu à 14h à suivre en direct sur la chaîne 3 avec comme arbitre le Rwandais Uwi Kunda. On enchaîne avec le championnat national. On joue aujourd'hui pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Oui, la suite. Hier, il y avait 4 rencontres et aujourd'hui, il y en aura 3. L'ES Ben Aknoun qui reçoit le Paradou Athletic Club à 15h. L'AS Hochelev également qui accueille l'entente de Sétif, ça sera à 17h. L'US Biskra qui jouera à domicile face à l'USM Alger, ça sera à 18h. La suite et fin de cette journée, cette sixième journée, aura lieu demain avec cette belle affiche Chebeb de Belouizdad d'Adjies Kabylie au stade du Saint-Juillet à 19h. Et en Ligue 2, place aujourd'hui au groupe Centre-Est. Groupe Centre-Est est la cinquième journée après le groupe Centre-Ouest qui dans la journée s'est déroulé hier. Et bien aujourd'hui, place au groupe Centre-Est avec l'affiche. Ça sera le leader Iber Misselkhachna face à l'USM Al-Harach. Ça sera Al-Harach.
Et il y aura également MSP Batna Iskhroub, Olympique Magrani Yosem Anaba, JS Bourges Menaël Cap Batna, Mok de Constantine Hillel Chilrom Laïd, Denerbit Lerma, ES Sol Roslan, Yerbi Wergla Aïsaïm Lila et Mouloudia de l'Alma face à l'Olympique d'Akbou. Toutes les rencontres débutent à 15h. Merci Erdouane Bendali. On termine sur la présentation d'un livre paru récemment, son titre Scott Fitzgerald et ses contemporains face à Hollywood. Il s'agit du dernier ouvrage du monsieur cinéma algérien, à savoir Ahmed Bjaoui, Fatah Boumati. Scott Fitzgerald et ses contemporains face à Hollywood est le tout dernier ouvrage du professeur, auteur et critique cinéma Ahmed Bjaoui. À travers cet ouvrage, il nous raconte la naissance de cette usine cinématographique américaine, mais aussi les mésaventures des auteurs américains face au cinéma. Ahmed Bjaoui. Ça a été ma thèse de doctorat en fait, Scott Fitzgerald, mais là je l'ai élargi à tous les auteurs américains de son époque qui ont été utilisés par Hollywood par une machine de production de masse. À l'époque, c'était au moment où le cinéma est passé du muet vers le parlant. Ils ont pensé que pour faire parler le cinéma, il fallait des auteurs. Or, l'art d'écrire, de raconter, en prenant du temps, en prenant de l'espace, n'est pas le même que la compression qu'exige le récit cinématographique. Et là, il y a eu des heurts, beaucoup d'incompréhension, alors que les auteurs avaient besoin d'approfondissement. Et c'est ce choc des réalités que je raconte en montrant que finalement, ces auteurs-là n'étaient pas vraiment en accord avec le monde du cinéma qui était un monde un peu frelaté. Hollywood a certes fabriqué des rêves pour tout le monde, mais aussi des cauchemars pour les auteurs. Fitzgerald a collaboré à 18 projets de scénario. Il n'a été cité qu'une fois au générique. Et donc, chaque fois, il arrivait presque au bout et on lui disait non, c'est pas bon. Donc il y a une répression. Il venait pour l'argent, en fait. Le livre ne rapportait pas beaucoup à cette époque-là pour les auteurs. Et ils vendaient les droits d'adaptation, mais ils essayaient d'écrire des scénarios. Ils avaient des standards intellectuels très élevés, alors que les standards d'Hollywood étaient très bas, dont ont souffert les auteurs américains. Scott Fitzgerald et ses contemporains face à Hollywood, un livre signé Ahmed Bjaoui aux éditions Casbah. Et il sera d'ailleurs présent cet après-midi à partir de 14h au niveau de la librairie Tiers-Monde pour une séance de vente dédicace. Ce journal a été réalisé par Amine Segni, Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Klimo qui était à la technique, Nejma à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. La météo tout de suite est avec Amine Mounir.